L'université Omar Bongo de Libreville, je le disais en titre, a enregistré ce week-end un docteur de plus en sciences géographiques. Son nom, Bruno Nkuma Kali. Il a défendu avec brio son travail de recherche scientifique devant un jury de haut niveau. Le reportage de l'Ubestar Lignongo, Enric Bokoko. C'est dans une salle archicomble que l'impétrant Bruno Nkuma Kali a fait face aux membres du jury. Cinq professeurs chevronnés qui ont analysé avec Munici la thèse intitulée « Géopolitique d'une nouvelle territorialisation de la biodiversité au Gabon. Sanctuarisation conservatrice bienfaisante ou enclavement territorial d'extraversion ». Ce travail de recherche scientifique met en relief les enjeux géopolitiques majeurs liés à la conservation et la protection de la nature. Dans ce registre, le Gabon a consacré 11% de la superficie de son territoire national à la création d'un réseau de 13 parcs nationaux. Un cas de figure développé dans cette étude. Un exposé d'une demi-heure où l'impétrant a pu défendre son travail en répondant aux questions. Après le retrait des membres du jury, le verdict est prononcé. Après délibération du jury, vous avez été jugé digne du grade de docteur en sciences géographiques. Option géosciences politiques de l'université Omar Bongo avec la mention très honorable. Avec une mention très honorable, l'impétrant affiche sa satisfaction. On garde les pieds sur terre, c'est juste c'est de la recherche. Et de la recherche, on va continuer ça, puisque nous sommes déjà, nous dispensons des cours à l'université de Commencement Vacataire. Je pense que nous allons continuer dans ce sens. Cette thèse montre en fait que le maillage territorial actuel est inopérant, parce qu'il réduit l'espace de population rurale dans leur pratique des activités. Le directeur de thèse situe la pertinence d'un tel travail de recherche. L'essentiel de la thèse a porté sur l'enchevêtrement des différents territoires de biodiversité au Gabon. Ces territoires, ce sont les concessions de production, production forestière, minière, agro-industrielle. Ces territoires, ce sont aussi les parcs nationaux. Ces territoires, ce sont aussi des terroirs paysans, n'est-ce pas, voués à l'agriculture de subsistance. Bruno Nkuma Kali, congratulé ici par ses collègues, amis et connaissances, cet ingénieur de forêt vient ainsi étoffer la brochette de docteur du département des sciences géographiques de l'université Omar Bongo.